Tu m'as démarré à 9. Tu as d'abord commencé à respecter d'abord c'est ça. Donc nous devons être ici, c'est on attend les participants de 8h30 à 9h. Donc on a 30 minutes pour venir. À 9h, puis le modérateur est là et il démarre. Ça va? Et là, ça va nous donner aussi qu'à chaque jour, à 15h25 minutes, qu'on puisse quitter la salle des prières. Nous sommes d'accord? Oui, mais respect. Quoi encore? La tolérance. Tolérance aussi. La tolérance. Alors, est-ce que nous pouvons désigner quelqu'un qui nous appelons chef du village pour nous aider à faire observer tout ça? C'est lui qui est discipliné. Oui. Mais oui. Il nous dit qu'il va être notre chef. Il est volontaire. Oui. Vous avez la gêne là. Objection. Aidez-nous. Non, il n'y a pas d'objection. Il est toute opposition, Philippe. C'est pas normal. Prédit notre chef du village. Ça va? Alors, pour gagner notre temps, il est déjà 10h35. Donc, nous avons perdu presque une heure, n'est-ce pas? Et nous verrons comment, tout au long de la journée, comment récupérer les quelques minutes, là, pour capitaliser cette formation. Mes chers amis, c'est très capital. Si les partenaires fixent du moyen, si l'IFPC a négocié ces moyens pour cette formation, c'est pour, ce qui nous, c'est pour nous renforcer notre travail. Massomo a été. Et nous devons toujours être actualisés. Voilà pourquoi je vais inviter maman Gisèle, madame Gisèle. Gisèle Mahamba, elle est notre première. Oui. Hein? Maman Gisèle Mahamba, oui. Baïni. Baïni. Merci beaucoup. Maman Gisèle Baïni de Bessis. C'est notre première intervenante. Elle va nous rappeler le rôle des médias dans la promotion de la cohésion sociale et qui existe pour les échanges. Voilà, donc, quand même, pour l'entourage. Pour la peine, parce qu'elle me trouve que je suis parmi vous pour la joindre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Baemi, je suis journaliste. Je suis journaliste à la RTCT. Je n'ai pas ma chance de faire la commande. Je suis même pour moi à la RTCT. Mais actuellement, je travaille au sein de Coracol comme journaliste. Alors, l'UFC a demandé à Coracol d'envoyer une personne pour jouer à exposer au plus sur le niveau du journaliste et dans la cohésion sociale. Alors, je n'ai pas beaucoup préparé par rapport au rôle du journaliste dans la cohésion sociale. Vous connaissez sur la norme Kivu, mais je vais vous rappeler que nous sommes dans l'andragogie. Et dans l'andragogie, c'est vous qui êtes au centre de ce que nous allons apprendre ici. Donc je ne suis pas devant les enfants, mais il y a un jeune qui. Déjà, vous faites quelque chose, ça veut dire que tu t'en viens pas. Il faut le couvrir à mon famille, il n'y a pas. Je veux que tu t'en viens avec le Nélé. Pardon, est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous, ma soeur, tu es des pièces. Puis, ma putain, ma madame, ma mère, ma mère. Appelez-moi Gisèle Jour pour travailler ma soeur à Dieu. Alors, je n'ai pas préparé beaucoup de choses. C'est exactement le coup de la machine. Il y a des amis qui n'ont pas le numéro de téléphone qui étaient placés ici. Okay. Vous avez tiré ça par.
à l'histoire là par les téléphones de la famille Nanaka. Nous avons fait tout le monde à la maison, on a donné un coup de main. On parle de la salle, on a dit que c'est pour le chèque. Alors, pour le reste, nous allons débuter avec notre module qui est intitulé Comme suit le rôle des médias dans la cohésion sociale. Alors, tout va partir d'abord de la définition. Il faut tout comprendre quand ça part à ma cohésion sociale. Ça, tu dois comprendre les villes, tu joues à un, ma bibliothèque. Relais tout à coup à ça, ça. Alors, moi, je n'ai pas voulu faire beaucoup de littérature par rapport à ça, mais j'ai préparé, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une petite vidéo où il n'y en a pas en bref définition de la cohésion sociale. Et ce que je vais vous demander de faire, une vidéo va durer 4 minutes. Alors, nous allons suivre ensemble cette vidéo. C'est pas qu'à deux fois. Vous faites les vidéos, tout à dénicher, nous sommes les mamans clés. Donc, pour que vous puissiez accéder à la cohésion sociale, il faut que nous apprenions la mot clé, gagne. D'où à la fin, tout ce que ça définit avec la cohésion sociale. Basse. Donc, les rôles que vous allez jouer en suivant, vous n'avez pas pour l'indiquer, parce qu'il y a une mot clé, une mot clé, et à la fin, vous allez ma mot clé. C'est ça le départ. Donc si on commence bien, tout à l'heure, à bien, ça va nous aider toujours à est-ce que ça va rester dans notre société, est-ce que ça on observe dans notre société. Maintenant, devant ce que nous observons, qu'est-ce que nous pouvons jouer comme rôle pour que tu minimises la balle et consolider les acquis, pour consolider les outils. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce que nous allons faire, on va pas s'arranger à la vision, ok? La cohésion sociale. On va parler, mais qui sait vraiment ce que ça signifie? Pour arriver à m'expliquer pour tout, commençons par le commencement. Avec qui il y a la société, notre société. Des hommes, des femmes, des personnes qui font des études, qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui fondent une famille, qui sont propriétaires de leur logement, qui sont en bonne santé. Enfin, ça, c'est la société standard. Sauf que dans la vraie vie, il y a des tas de personnes qui sont hors norme. Des personnes géantes, de petite taille, des riches, des sans-papiers, des personnes maigres, obèses, handicapées, physiques ou mentales, sans domicile, pauvres, sans diplôme, âgés, des gens du voyage. Des personnes solaires, habitant dans des logements précaires, non scolarisés, des tout propriétaires, sans emploi, sans revenus, des lacs, des bains. Bref, toutes personnes qui ont parfois des difficultés à trouver une place adéquate dans la société. Ça s'appelle l'exclusion. L'exclusion sociale, c'est la marginalisation. La mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison d'un éloignement trop grand avec les modes de vie dominants dans la société. Elle est parfois volontaire, mais le plus souvent, elle est subie. C'est pas cool ça, l'exclusion. Alors, progressivement, on a inventé des lois, des aides spécifiques pour toutes ces personnes-là. Résultat, en leur reconnaissant un statut spécial hors norme, on les aide. On appelle ça la discrimination positive. Mais, on assiste aussi à une certaine stigmatisation. Ça s'appelle la ségrégation. Chacun dans son coin, chacun dans son monde. C'est un processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe, du fait, entre autres, de son origine, de son orientation sexuelle, de sa position sociale, de ses caractéristiques physiques ou de sa religion par rapport aux autres groupes d'une collectivité. Bref, c'est pas toujours top ça. Pourquoi créer des dispositifs particuliers alors qu'il suffirait de réinventer la société pour qu'elle permette réellement aux personnes discriminées de se rapprocher et de devenir membre à part entière de la société? Tout citoyen ne devrait-il pas disposer d'un revenu digne, d'un logement décent, avec accès à l'énergie et à l'eau, d'une bonne santé et d'une alimentation équilibrée, d'une éducation et d'une instruction ou une formation lui permettant d'accéder à un travail ou à une activité professionnelle librement choisie? Autant de droits fondamentaux auxquels chaque citoyen devrait avoir légitimement accès. Ça s'appelle l'intégration. À
Pourquoi faut-il qu'il y ait une volonté commune de s'adapter mutuellement, en s'insérant pour les uns et en accueillant pour les autres? Mais après tout, pourquoi imposer à certaines personnes une vision standard de la société, comme modèle à adopter, au lieu de changer la société pour qu'elle s'adapte à tous? Tout citoyen a accès aux droits fondamentaux en fonction de ses besoins. Cela s'appelle l'inclusion. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et les adultes aient les moyens de participer activement à la société en fonction de leurs possibilités, tout en y étant reconnus. Une société inclusive, c'est le respect des différences et des particularités de chaque individu. Et la cohésion sociale dans tout ça. Bien sûr, chaque personne a droit au bien-être individuel, mais la cohésion sociale comporte aussi une dimension collective. Une société réellement cohésive vise un équilibre entre les individus et une diminution des inégalités sans pour autant nier les besoins spécifiques de chacun. En résumé, une société solidaire et co-responsable, où il fait bon vivre ensemble, chacun partageant un même ensemble de valeurs et de règles de vie. Ainsi se forme un maillage social où il n'y a pas de perdants, mais que des gagnants. C'est ça la cohésion sociale. C'est bon? On peut les prendre ou on continue? On peut les prendre. On les prend une fois. Ok. Namoko Nandika Mamoukle, donc pour que cette cohésion sociale, quels sont les termes désignés? J'ai raconté dans la structure ou dans le livre. La cohésion sociale. Tout le monde en parle, mais qui sait vraiment ce que ça signifie? Pour arriver à en expliquer les contours, commençons par le commencement. À l'origine, il y a la société, notre société, dans laquelle vivent des hommes, des femmes, des personnes qui font des études, qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui fondent une famille, qui sont propriétaires de leur logement, qui sont en bonne santé. Enfin, ça c'est la société standard. Sauf que dans la vraie vie, il y a des tas de personnes qui sont hors normes. Des personnes géantes, de petite taille, des riches, des sans-papiers, des personnes maigres, obèses, handicapées, physico-mentales, sans domicile, pauvres, sans diplôme, âgées, des gens du voyage, des personnes célèbres, habitant dans des maisons en plusieurs, non-stabilité, des hôpitaux, sans diplôme, sans diplôme, des essais de l'activité, sachant qu'il y a des activités. Formations qui sont organisées, à la fin de la formation, les journalistes partent après 3 jours. Mais aujourd'hui, donc, nous commençons la formation et après la formation, ça ne s'arrête pas là. Les journalistes seront accompagnés tout au long de la période du projet pour réaliser des reportages de qualité. Il y a aussi un travail de monitoring qui sera fait derrière. Donc, nous serons en train de suivre les médias pour savoir si les journalistes contribuent réellement. Parce qu'il y a des fois, on écoute une édition d'information, mais on trouve qu'il y a plus de la communication que de l'information des gens, que les citoyens restent sur leur soif, qu'il y a des sujets très intéressants qui peuvent aider et les décideurs et les citoyens, mais parfois que les journalistes se réservent des traités. Donc c'est question de leur rappeler leur rôle, qu'on n'est pas là pour passer les temps, mais on doit se dire pendant ces temps qu'est-ce que nous avons donné comme contribution au développement, à l'avancement de la province du Nord Kivu. Nous sommes aussi des acteurs et pas que des accompagnateurs. Donc nous avons un rôle à jouer et c'est ça que nous rappelons aux journalistes aujourd'hui. Donc, jouer correctement les rôles qui est les nôtres pour contribuer à la paix, pour contribuer à la promotion des droits de la femme, pour contribuer à la cohésion dans notre province. Président Rosalie Zawadi, nous avons dit projet hii inaanza iko na nia gani? Kuna nia gani kwa kuanzisha hii mradi? Hii mradi ni mradi wa miezi saba unaodhaminiwa na Cooperation Suisse na iko executed na UNPC Nord Kivu na inahusu wapasha habari wa jimbo nzima ya Kivu ya Kaskazini. Leo imekuwa kama kuanzishwa rasmi kwa mradi huu kupitia hii formation ya 3 jours tunafanya Goma, na tulisindikizwa na mwakilishi waliwali wa jimbo, tunashukuru pia Cooperation Suisse kwa
kusindikiza wapasha habari wa jimbo la Kivu Kaskazini ili kuboresha kazi yao. Kwani mara kwa mara wapasha habari wanasahau, wanakuwa wakifanya komunikasio ya hawa na wale, na hawajue ya kwamba wana jukumu kubwa ya kuchangia kwa maendeleo ya jimbo, ya kuchangia kwa kazi ya kutafuta amani, ya kuchangia kwa kudumisha haki za wamama. Na ni waka katika mradi huu tutachangia kabisa, tutazungumza kuangalia namna gani tutafanya kazi yetu vizuri. Ni kwamba baada ya mafunzo ambayo tutamaliza Goma, ni mafunzo ya siku tatu, kutakuwa mafunzo pia Butembo na kutakuwa mafunzo pia Beni, na mafunzo ikimalizika tutaanza kufanya mareportage sasa, na tutakuwa tukisaidiana sote ili mpasha habari afanye kazi yake kama inavyofaa. Asiwe mwenye kufanya komunikasyon kila mara, lakini angalie namna gani sosiete inaendelea na wapi anaweza kuleta mchango wake. Ni kwamba tutakuwa na wapasha habari kwa muda wa miezi saba. Zaidi ya habari tutakazozitumika, tutakuwa pia mamesaji za sensibilisation juu ya kuishi pamoja, juu ya maendeleo, juu ya haki ya mwanamke, kwani tunajua ya kwamba mwanamke ana kazi kubwa ya kutumika kwa maendeleo na kwa ajili ya amani. Lakini mara kwa mara wanasahau, ama yeye mwenyewe anasahau. Ndio maana tutafanya kazi kwa ajili ya hiyo, tukifanya maspot na mareportage mbalimbali. Ni kazi kubwa kabisa kwa wale wanaohabari kwa na wakazi na kufika vema ili kwa mwisho wa mradi huu kuwe na matokeo. Inclusion, intégration. Segregation. Là, il y a un petit peu de chimie.
s'appelait? Stigmatisation. Stigmatisation, elle me l'a dit. Alors, stigmatisation, manquez des quoi, papa? Stigmatisation, Joyne, j'ai un truc. Alors, ce sont des mots qui nous aident. On va évaluer maintenant notre société par rapport à tous ces termes ici. Et on va dire, voilà, je dois m'installer comme dans mon monde. Alors, stigmatisation. Donc, il a tout le temps d'avoir la maïdée dans le bar, mon guine. Ah, oulé, oulé, yipi. Déjà, il y a un peu de temps, on voit que nous oulé, yipo, yipo, oulé, yipo, yipo. Donc, on a un ami, c'est-y. Et puis, il y a des gens qui ont été intégrés. Exclusion sociale. Alors, l'exclusion sociale, tout à mettre votre maman à l'écart. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Alors, la cohésion sociale. Alors, la cohésion sociale, je l'ai idéalisé, ça, ça y est. Je l'ai idéalisé, tu sais, quoi, tu as fait une formation. Il y a une société, on va dissentir pour équilibre. Équilibre entre les individus. Et on est où vous nous disiez, mais est-ce que vous devez m'empêcher pour faire un reportage à Pan? Est-ce que le fait qu'il y ait une idée, attaché dans son journal à Pan? Est-ce que le fait qu'il y ait une idée, attaché dans son journal à Pan? Alors, tout le monde se sent équilibré, tout le monde se sent à sa place. Il y a quand même, il faut bien entrer, il faut intégrer. Alors oui, il y a diminution des inégalités. Donc plus on se met, Ah oui, tu as fait un petit peu de temps. Il
faut se dire, c'est ta formation pour s'aider dans la journaliste. Bon, Fulani, elle a déjà pas ma belle qui à ta pandaille. C'est ça qu'on appelle équité. Là, on n'est plus dans l'égalité. C'est donc, on voulait société et nous, comme cause sociale, l'égalité est là accompagnée de l'équité. Donc, chose de quoi dans ma droite, c'est moi, mais pas de dire des droits de oui, qu'on a droit à une spécifique, qu'on a besoin spécifique et une gagne. Et quand on s'est dit, attendez, qu'on y voyait toutes choses du coup, ça va, ça va. Alors, dans cette société où règne la cohésion sociale, les gens partagent les mêmes valeurs et les mêmes règles. Donc, ni autant qu'on a vos valeurs, c'est moi, on a fait des études, c'est où je joue à y. C'est quand on dit qu'on a gagné la téléphone, parce qu'il y a un autre, ça va, ça va. N'a pas comme tout, on dit qu'on a besoin, il y a plus. Jouer à chier, pourquoi on a gagné une carte et mille. Vous êtes à 4, vous êtes à 4, il faut gagner une carte et mille. Et on a une moitié, moitié, on a gagné la moitié. Entre temps, on va aller voir tout le monde, on a gagné un peu d'estomac et on a gagné un peu d'estomac. Bon, là, qui nous passe, on a gagné un peu d'estomac, on a gagné une fois, on a gagné un peu d'estomac. Ule mwakati ya mkate ya mwate ya mkate anakula tu nisende kama ane kawa ya mkate na hile nina naitupa alafu mwini ya kushiba. Donc dans une société enye unarenya mwa cohésion sociale il faut tenir compte de ces petits détails là. On est ensemble. Quel autre terme? Réinventer la société. Réinventer la société. Yes, bien dit. Comment on a vraiment ça vaut la peine mon âme. Mariage, il est comme de mon âme. Alors, à partir de là, réinventer la société. Il faut trouver une société standard, mais pas grave. Sinon, donc l'idée, tout ce qu'il y a, on ne peut pas travailler chez eux. Il faut que vous travaillez pour que vous fiquez pour une société, pour que vous fiquez pour une société idéale. Mais tu m'appelles les Walmart, ma société s'est recréée, parce que moi, je suis venu à la maison, parce que ça. Ah, ouais, quand tu dis ça, ça, ouais, quand tu dis qu'on a ma case, à ce moment-là, je me fais équilibrer, il faut que tu puisses bosser dans ma skine, pour pouvoir me refouler dans ma foule, pour pouvoir me tourner dans ma maison, pour pouvoir me donner dans mes mains. Maintenant, nous, on ne fait pas travailler, on ne fait pas, après, j'ai adapté pour les réalités, je suis dans la société. Nous, on fait assez que, quand on va voir ta ou ma base, on va se tenir, on va recommencer à zéro. Bah, on peut tenir à mon bien, on peut tenir à ça, ça va chier parce que je suis quelqu'un, il y a des mots comme un petit peu, il y a une femme, il faut. Il y a un mot. Alors, Joe, il dit Joe, on demande à ceux que tu réinventes, tu vas réinventer la société alors que c'est impossible. C'est à nous de nous adapter pour bien être chaque putain. Quel autre mot-clé? Adaptation. Adaptation. Voilà, tout papier, on a dit quelle adaptation il y a commis. Il y a un terme égal. Solidarité dans ce qu'il y a dit. Il y a un terme égal. Bien-être dans ce qu'il y a dit. Bien-être, on va faire le bien-être de même. Donc on va faire la marquette, on va passer à vous les autres. Il y a un terme. Pardon? Vivre ensemble, on a dit qu'on va les gens pour vivre à la mort. Quand tu as 15 ans, tu gagnes chez toi. Alors, à mon avis, c'est une zingine, maman, c'est une zingine. Tu sais, pour avoir cohésion sociale, il est société, tu es une société à Manyama, une société à Vatu. Donc, on voit ici les personnes qui sont dans la société, les hommes et les femmes. Mais il faut appeler pour faire couicher les cohésions sociales. Et ce qui nous aide donc, ça va nous faire tout à même marginaliser, stigmatiser, dans la vie de tout le monde, papa, c'est comme ça que nous avons pas faire la loi. Nous avons pas faire la loi. Qui l'a dit qu'on a droit à être, ou quoi, on offre comme toujours qu'on a droit à être, ou quoi, si je me tourne dans mon esprit, je dis qu'on a droit à être. Donc n'oublions pas que. La cohésion sociale, on a qu'un droit, droit. Donc il y a des droits fondamentaux à respecter pour chaque individu. Vu la Congolais, c'est même nous voyez. Oh, est-ce qu'un joueur français a joué français pour tout qu'on a droit du monde? Ou jouer français? Ou jouer en anglais, il y a quoi? On a joué pour tout qu'on a droit du monde. Alors, mon cohésion, amen. Mukoezon sosiali, bongo sitetabali lazima nipanyo. Mukoezon sosiali wanatuambia, mwende nye
Moi, tout le monde est cohésion sociale. Il n'y a que des gagnants. Du qui l'amour, tu n'as pas ça. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. On a quoi que ce soit, on a posé, on a joué, on a attaque, on a quoi, Mimi? On va savoir que. Bah, on a passé, mais on a vu les gisèles, on t'a formé. Pourquoi on a dit là pour partager, pour lui, NPC? La Kimi, bah, on a mis Tilia, face, quand il y a joué, il va ni chez Ivi, il faut ni pas ne couler, il y a eu. Parce qu'on est co-responsable. Problème est y a, donc on dit qu'on peut mettre la solution ensemble. Alors, c'est bon. Moi, j'espère qu'on a fini la définition de la cohésion sociale. Est-ce qu'on a compris quelque chose? On peut avancer, on a compris quelque chose? Alors, pas de Maliza, point à point, ça, pour mon dire. Il est point ni définition. Alors, tu me définis la cohésion sociale. Alors, tu l'as là pour deuxième point. Tu l'as là pour deuxième point. Deuxième point est tout le contexte. Juste pour ça qu'on est venu, on va aller pour les autres salles. Juste en gagner, Zima, à quoi ils ont enseigné le numéro 1. Il faut que nous jouions pour la contexte. Tu as mon ordre. Vous voyez. Il t'a fait assez ma gomme, mais ça va lui aimer assez pour le tenir compte dans ma territoire. Ma Routourou, ma Sissi, Milagro, c'est ce qu'on a un journaliste. C'est maintenant qu'on va parler du numéro. Alors, pour qu'on intervienne, pour qu'on intervienne en tant que journaliste, pour qu'on sache le rôle que nous devons jouer en tant que journaliste, pour que tout ce qui est le monde, il y a qui l'a mis dans la qu'on à l'aise, qu'on en sécurité, j'en ai eu, et on est sûr de tout ça, ça, on a quand même besoin, on a mis le péché, on a tout été taffé par moi, on a eu pas. Pour qu'on y arrive là-bas, il faut que je joue, tout comme société gagne. Pour tout le monde, on a eu. Je vais venir à la longueur de la vie, puis je ne sais pas trop, parce que je peux peut-être avoir la vie avant la vie, puis avant la vie. Mais si un jour tu vois, c'est pour dire que c'est tout fait cohésion sociale. C'est tout fait cohésion sociale, les gars. Bon, bien, tu as fait des oeufs, tu as mis les pecs dans le vasique, tu as satisfait. Il est tout fait à moutou. Alors, il faut qu'on examine ensemble notre contexte, de notre province, et voir est-ce que ça nous permet. Si ça nous permet, papa, quel rôle nous devons maintenant jouer en tant que médias pour expliquer quoi les sociétés, tu as nous ouvert. Philippe, tu as une question? Oui, je me rappelle avant son enfance. Dans la vidéo, j'ai suivi un passage là où on dit, quand on parlait de l'équilibre entre les individus, on parle de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'orientation sexuelle? Je
j'espère que ça ne te dérange pas. On peut passer. On peut passer. Non, ça dérange. Ça dérange. Oui. Aone kama nona encourager on a fait une publicité. Bon. Si on peut les diffuser ou pas, c'est tout ça. Je veux pas m'accorder. En tout cas, je m'excuse. Quand elle m'a touché, sensibilité, quand elle a dérangé ma mère aussi. Une autre question ici. Mais pour moi, je n'ai pas un conseil que ça va me. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Une autre question d'abord. Oui, vas-y. Est-ce qu'une fois, il y avait un blanc ici qui venait de Mexique, États-Unis, et qu'il est poigné, on a pas exclure quoi qu'il y ait. C'est un droit fondamental. On est quand même déjà mon amour. On a besoin de trois années. Alors, il fait. Est-ce que. On a posé une question finale. Je ne sais pas si tu as dit.